Canal 3VN, 7h partout. Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue à vous dans votre matinale Actu Matin. Merci hein, de démarrer votre journée avec nous. Toute l'information, c'est ici et maintenant. À commencer par Wahab Ali Para que nous allons retrouver dans un instant dans la une des journaux. Il est d'ailleurs déjà installé. Wahab, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant. À événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, la décision est prise et l'annonce officiellement fête, s'il y a bien célébration de la fête nationale du 1er août 2020, tout se fera et tout se fera dans la sobriété absolue. Le chronogramme des festivités traditionnelles totalement dépouillé. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin va se tenir dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Le conseil des ministres d'hier mercredi en donne des précisions. Nous les partagerons avec vous dans un instant. Attention, le relâchement ne sera pas toléré. Le gouvernement reste ferme et appelle chaque citoyen, où qu'il se trouve, au respect des mesures de prévention édictées et toujours en vigueur. Le coronavirus continue de sévir. De nouveaux cas de contamination et de décès sont enregistrés. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé d'un malaise quelques jours après son retour de son séjour hospitalier à Abidjan. Le candidat désigné du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain meurt quelques semaines avant son investiture officielle par le parti pour la présidentielle d'octobre. Va-t-on assister à une redistribution des cartes au sein du RHDP et à un bouleversement politique en Côte d'Ivoire avant la présidentielle? On fera le débat en plateau avec Hakimé Ousseni et André Dossa. Notre coup de projecteur ce matin sur les aspirants au métier d'enseignant, Pierrot Akodianou, porte-parole du collectif national des aspirants, est notre invité. Et puis la page magazine du jour dans la chronique environnement, Fulbert Adjimé-Hossou nous emmènera découvrir l'île d'Agonvert, riche par sa nature et le respect que lui vouent les habitants de la commune de Zanyanado. Vous le verrez, c'est du beau. Merci de rester avec nous. Le magazine, c'est dans la deuxième partie de votre matinale. Tout de suite, les unes des journaux. Alerte. Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. L'info et toute l'info, c'est ici et maintenant sur Actu Matin. Wahab Ali Para, les titres à la ligne de parution du jour. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Les membres du gouvernement se sont rencontrés hier mercredi et le compte rendu est disponible. La célébration cette année du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin sera dans la totale sobriété. C'est Fraternité qui nous apprend en premier l'information. Fête de l'indépendance le 1er août, pas de défilé, sobriété totale. Le coronavirus contraint le Bénin au sacrifice d'une tradition légendaire. Bernard Alatowanou, directeur national des secours et catastrophes à la Croix-Rouge, n'importe qui n'enterre pas une personne décédée du coronavirus. Conseil des ministres, le gouvernement hausse le ton quant au respect des gestes barrières. Suite à une correction parentale, une étudiante se donne la mort à Porte-Novo. En vérité, la chronique signée ce matin Moïse Dossoumou, La renaissance des musées, c'est le titre. À la une maintenant de Le Matinal, campagne cotonnière 2019-2020, le Bénin conserve sa place de premier producteur en Afrique. Au moins 714 tonnes d'or blanc produit. Célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, la fête nationale aux couleurs du coronavirus.
Le matin, sinon matin libre, appel au second mandat du président Pardé Griot. Talon est-il déjà porté en triomphe, s'interroge le journal. Covid-19 et 60 ans d'indépendance du Bénin, le PR tient à son dernier 1er août. Le chef de l'État tient donc à son 1er août. Le gouvernement tire le son des communales. Soleil levant, Conseil des ministres, le Bénin va fêter ses 60 ans sans le défilé. Création tous azimuts des médias en ligne, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication tape du poing sur la table. Et puis en Côte d'Ivoire, le deuil que Soleil levant en parle, Amadou Gon Coulibaly est décédé. Le télégramme, nomination dans l'armée béninoise, la liste des 114 officiers promus au grade supérieur à retrouver dans les colonnes de Le Télégramme. 1er août 2020, la fête sera célébrée dans la sobriété et sans le défilé. Présidentiel de 2021 au Bénin, Hunpe parle d'un match d'entraînement trop cher pour le contribuable. La nation, réforme économique et politique. L'ambassadeur du Japon félicite le régime Talon. Fête nationale du 1er août 2020, une célébration inédite. Et puis riposte contre le coronavirus, les premières dames de Chine et d'Afrique s'activent. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que le coronavirus contraint le Bénin au sacrifice d'une tradition légendaire, laquelle consiste donc à célébrer l'indépendance, la fête, l'anniversaire de l'indépendance du Bénin, n'est-ce pas, par le défilé et un grand pompe comme on le connaît. Voilà, et justement, parlons justement de cette célébration qui sera faite dans la sobriété totale avec deux grands rendez-vous, notamment le dépôt de gerbes à la place du souvenir à Cotonou par le chef de l'État et puis la revue des troupes, quelle analyse faites-vous? Alors que on s'attendait à célébrer en grande pompe les 60 ans de notre indépendance. Ouais, bon, c'est peut-être parce qu'on est habitué à cette célébration et cette fois-ci le coronavirus vient nous dicter sa loi. Il faut tenir compte des exigences du moment, de la situation actuelle liée donc au coronavirus et donc s'adapter à cela. Je crois que c'est bon gré mal gré que le gouvernement même en est arrivé à prendre une décision pareille qui prive la nation du défilé, en tout cas la curiosité et l'ambiance dans laquelle on vivait par le passé, la célébration du 1er août. Donc il faut en tenir compte. Le coronavirus, ce n'est pas une blague et je pense que c'est cela qui a même amené le gouvernement à durcir le ton en ce qui concerne le respect des gestes barrières afin que vraiment on puisse limiter le coronavirus. Vous n'êtes pas sans savoir que les chiffres en ce qui concerne le nombre de personnes contaminées a grimpé. Absolument. Merci beaucoup. Merci Chris. Bachar Malik Para pour cette petite analyse. On rappelle aux téléspectateurs qu'en fin d'émission, dans les 5 dernières minutes, nous allons retrouver Narcisse Alosset dans la revue de presse qui reviendra sur l'essentiel de l'actualité relayée par nos confrères de la presse écrite dans les parutions du jour. Vous restez avec nous. Le mini-journal, ce sera dans pratiquement 5 minutes avec vous, Nagui Balagwe, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. La nouvelle est tombée hier, il n'y aura pas de défilé militaire pour une fois. La crise sanitaire est passée par là, la célébration du 60e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale sera réduite à sa plus simple expression, ainsi en a décidé le gouvernement. En conclave hebdomadaire mercredi, suivez dans un instant le compte-rendu du Conseil des ministres. Et puis des masques et du gel pour renforcer la riposte face à la propagation du virus. L'ambassade des États-Unis, solidaire notamment des forces de défense et de sécurité, quelque peu en première ligne pour assurer nos frontières. Un important loi a été remis hier sous forme de don au ministre de l'Intérieur. Voilà, merci beaucoup Naguib, merci pour ces titres. Le développement, c'est dans un instant. Le chroniqueur ce matin revient sur ce vaste projet de réhabilitation de nos musées, des musées du Bénin, à commencer par le musée d'Abomey, le musée de Kétou, ainsi que le fort portugais, c'est à Ouida. Les sites historiques sont en train progressivement de revenir à la vie. C'est ce qu'il nous dira dans un instant Moïse de Somo. Moïse, bonjour. Bonjour Christian. On vous retrouve juste après la petite pub.
comme titre donné à ses écrits ce matin, la renaissance des musées. Nous sommes avec vous, on vous écoute Moïse. Mesdames, messieurs, bonjour. Ailleurs, on leur accorde un très grand intérêt. Entretenus et vénérés, ils résistent aux siècles en gardant leur splendeur du passé. Mais ici, c'est tout le contraire. Abandonnés, ils ne sont que vestiges et ruines. Les musées, attraits et sites touristiques dont regorge le Bénin, sont la triste expression du mépris dont ils sont l'objet. Pendant des décennies, notre histoire n'a jamais été considérée comme une source de richesse à valoriser et à consolider. Hormis la lumineuse parenthèse de Ouida 92, qui a révélé au monde entier le potentiel culturel et touristique d'une partie du Bénin, ce secteur demeurait le parent pauvre des investissements publics. Alors que d'autres gouvernements font de leur mieux pour se vendre sur la scène internationale, grâce à leurs atouts culturels, le Bénin a souvent ignoré de révéler ses trésors cachés. Mais les amoureux de la chose ont tenu bon. Leurs plaidoyers, multiples et insistants, ont fini par être entendus. De plus en plus, il est noté un engouement de l'exécutif pour ce secteur longtemps resté à la traîne. Les projets gouvernementaux, même s'ils ne sont pas encore tous concrétisés, sont en voie de l'être. Pour une fois, un catalogue d'initiatives visant à restaurer le riche patrimoine historique a été conçu. Les acteurs institutionnels chargés de sa mise en œuvre sont à pied d'œuvre. Très vite, le ministre en charge du secteur a saisi le taureau par les cornes. Petit à petit, les réalisations commencent par sortir de terre. Il était temps que le Bénin se réconcilie avec une partie de son passé. Nos ancêtres qui nous ont légué ce bel héritage, très enviés sous d'autres cieux, ne nous pardonneront pas de le saborder sans gêne. Le fort portugais de Ouida, qui abrite le musée d'histoire de la ville, fait sa toilette. Quand les travaux seront achevés, l'édifice défraîchi qui accueillait les visiteurs va céder la place à une bâtisse moderne. D'autres projets de grande envergure sont également prévus pour la ville afin de lui redonner sa splendeur d'antan. Ainsi, progressivement, la cité des passés pourra assumer sa vocation touristique. Abomey, l'autre ville chargée d'histoire, a également reçu sa part d'attention. En attendant sa réhabilitation intégrale, les travaux liés au plan d'urgence du musée sont en cours. Pour le reste, les études achevées validées annoncent l'imminence de grands chantiers. Les images du palais royal, dégradées et vidées des objets, témoins de l'épopée des rois, ne seront plus que de vieux souvenirs. Vivement que la dynamique en cours soit maintenue, afin que la riche histoire de cet ancien royaume, dont la notoriété a dépassé les frontières nationales, soit restaurée. Kétou, la ville mystère, bénéficie également d'actions urgentes visant à freiner la dégradation de son patrimoine historique. Le site qui abrite Dakaba Idena, symbole de l'histoire vivante de la cité des Odudoua, est en plein aménagement. En cours d'érection, les ouvrages d'assainissement permettront de stopper la détérioration avancée des lieux. La tradition orale enseigne que Dakaba Idena, fait de deux portes magiques, est l'entrée unique donnant accès au royaume de Kétou. Elle est la seule et dernière porte intégrée à un ouvrage de fortification dans l'ère culturelle Yoruba et revêt de ce fait un double caractère historique et militaire. Une fortification de la ville intervenue dans le but de résister aux invasions des guerriers fonds. Les deux portes magiques mâles et femelles, entourées de mystères et vénérées par les peuples autochtones, ont été installées depuis des siècles pour sécuriser la seule entrée du royaume de Kétou. Il va donc de soi que ce patrimoine unique soit préservé de la ruine. Voilà, réhabilitation de nos musées, du fort portugais de Ouida également, restauration à l'authentique. Vous y tenez, Moïse Dossou. Ailleurs, ce sont ces choses qui font drainer des milliards pour le budget de l'État. Mais chez nous, depuis des décennies, on n'a rien fait pour ça et de plus en plus, ces choses se dégradent. C'est heureux que maintenant, on commence par sentir une certaine renaissance. Il faut que cela soit maintenu, consolidé un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup Moïse, merci pour cette réflexion matinale. C'était la chronique chez vous, mesdames et messieurs. Restez en place, le mini-journal, c'est tout de suite.
L'information est tombée hier, pas de défilé militaire pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est la grosse information qu'on peut retenir du Conseil des ministres du mercredi 8 juillet, un conseil qui s'est déroulé sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Situation sanitaire oblige, la commémoration aura bien lieu, mais dans la sobriété absolue. D'autres sujets sont également abordés par le Conseil, notamment les chantiers de construction de routes en cours et bien entendu la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus. Nous allons retrouver dans son traditionnel point de presse le ministre de la Communication et de la Poste, Maître Alain Roula. Mesures normatives. Le Conseil a adopté au titre de ces mesures les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Renouvellement de l'agrément de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, CAMÉ. Nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de qualité des produits de santé et d'eau, ainsi que de l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance. Au titre des communications, modalités pratiques de déroulement des cérémonies relatives à la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale. La célébration de cette édition de la fête nationale, le 1er août 2020, intervient dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Tenant compte de la nécessité de concilier la commémoration de cet événement important avec la sécurité sanitaire des populations, le Conseil a décidé qu'elle se tiendra dans la sobriété absolue, sans manifestation nécessitant des regroupements de personnes tels que le défilé et autres réjouissances. Ainsi, pour honorer la mémoire de nos illustres disparus et saluer nos forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'occasion au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, puis à une revue des troupes symbolique. Rappel des mesures de restriction toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à cette pandémie dans notre pays. Il s'en dégage qu'en dépit de la progression des chiffres, une partie de la population banalise le mal en n'observant pas les mesures de prévention prescrites, compromettant ainsi les efforts de la majorité. Prenant acte de ce constat, le Conseil rappelle à l'attention de tous que les règles d'hygiène et de prévention édictées pour éviter la propagation de la pandémie demeurent en vigueur. Par ailleurs, le Conseil recommande expressément à tous de se faire consulter ou orienter par les agents de santé dès l'apparition du moindre symptôme faisant penser à la COVID-19, afin de favoriser leur prise en charge rapide et ainsi d'augmenter leurs chances de guérison. Réalisation des travaux complémentaires d'aménagement et de bitumage des routes Missé-Saint-Aux-Zivier, Seyé-Denou-Zé et route nationale Inter-État 1, Kokokodi-Hévier, Wedo-Calavi-Bota, conclue avec l'entreprise Ebomaf S.A. L'exécution des travaux sur ces deux axes, long respectivement de 32 et 21 km, a fait apparaître la nécessité de réaliser des aménagements confortatifs pour renforcer la qualité et la durabilité des ouvrages et tenir compte de la forte concentration démographique dans la zone du projet. C'est ce qui justifie la construction d'un supplément en mètres linéaires de collecteurs en béton armé destiné à drainer les eaux pluviales vers les exutoires assez éloignés de la route afin d'éviter les inondations dans les agglomérations traversées. Ces nouveaux travaux concernent également l'éclairage public et les feux tricolores à installer, le dédoublement du pont de 240 mètres linéaires, la construction d'un pont de 15 mètres linéaires indispensable pour favoriser la traversée du bas-fond de la localité de Toba.
Et voilà, vous l'avez compris, le gouvernement qui hausse le ton quant au respect strict des gestes barrières. C'était le ministre Alain Onroula, porte-parole du gouvernement. Il est ministre de la Communication et de la Poste. Et parlant justement de la pandémie du coronavirus, eh bien, ce coup de main de l'ambassade des États-Unis au Bénin dans le cadre de la riposte contre la maladie fait partie intégrante de votre mini-journal, Naguib. L'ambassade a offert ce mercredi des masques de protection et des flacons de gel hydroalcoolique au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le don est destiné aux forces de défense et de sécurité, notamment celles qui ont en charge la surveillance des frontières béninoises. Le point avec Rissou Boukari et Elvis Tonoukou. 1150 masques de protection et 386 flacons de gel hydroalcoolique. C'est la contribution de l'ambassade des États-Unis d'Amérique aux actions mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du COVID-19. Le lot de matériel, après signature des documents, est transmis symboliquement ici aux représentants du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un geste de haute portée sociale pour célébrer le partenariat entre la coopération américaine et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Dans le cadre de l'appui de la BGF aux populations frontalières pour lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19, le ministre de l'Intérieur a lancé un appel à tous les partenaires pour appuyer les populations dans les secteurs frontaliers. C'est dans ce cadre que beaucoup de partenaires se sont engagés à accompagner la BGF dans la mise à disposition des populations d'un certain nombre de matériels de protection. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que la coopération des États-Unis a répondu à notre appel en amenant à nos populations des masques et des gels alcoolisés pour permettre donc à nos populations de se prévenir, de se protéger contre cette pandémie-là. Aujourd'hui, la mission américaine offre 1158 pièces de masques réutilisables et 386 flacons de gel. Ces articles seront distribués aux agents USSF qui sécurisent les frontières et protègent les citoyens. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, son directeur de cabinet exprime les gratitudes du Bénin au peuple américain et rassure du bon usage des masques et gels hydroalcooliques. Nos agents qui sont commis à la tâche au niveau de ces frontières, nous devons véritablement s'occuper d'eux parce qu'ils ont le devoir de s'occuper de nos populations. Voilà pourquoi ce geste de la coopération américaine nous va droit au cœur. Donc je voudrais vous promettre que ce don ira directement aux cibles qui ont été identifiées pour que le travail pour lequel ils sont destinés puisse se faire sans aucun problème. Donc je voudrais encore une fois au nom du ministre vous remercier. Le partenariat entre la République du Bénin et les États-Unis d'Amérique prend en compte plusieurs domaines comme la santé, l'énergie, l'éducation, avec un accent particulier sur le plan sécuritaire. Grâce à cette coopération, les forces de sécurité et de défense bénéficient des formations techniques avec des appuis matériels visant à viabiliser et sécuriser les espaces frontaliers béninois. Et on n'en finit pas. Le ministère de la Santé recevait presque au même moment de l'appui en matériel et en kit de protection sanitaire, expression par Osfam, une organisation caritative présente au Bénin, de sa solidarité dans la lutte contre la pandémie en cours dans le monde. Henri Ganti. Oxfam joue sa partition dans la riposte contre la pandémie de COVID-19. Dans la journée du mardi 7 juillet, l'ONG est allée faire don de matériel et d'équipements sanitaires au ministère de la Santé. Marqueurs indélébiles, réfrigérateurs, gants, micropipettes, savon liquide, gel hydroalcoolique. D'une valeur de 24 millions et demi, ces équipements permettront au gouvernement de renforcer sa capacité d'intervention. Alors que la propagation du coronavirus s'accélère ces derniers jours au Bénin, Oxfam est très préoccupé par les effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables. La deuxième composante du projet vise à accompagner le gouvernement à travers le ministère de la Santé dans le diagnostic des cas et la prise en charge des personnes infectées.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette composante que la présente cérémonie de remise de matériel et équipement est organisée. Le Bénin, touché par cette pandémie, a élaboré un plan de contingence. Dépister les cas, les isoler, les prendre en charge pour éviter au maximum la propagation. Et dans la mise en œuvre de cette stratégie, le pays a su compter avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu'avec la solidarité nationale. Un geste suffisamment impressionnant que salue le ministère. Aujourd'hui, c'est le tour de Oxfam de venir également à la rescousse du pays avec un important don de matériel pour un des axes importants de notre stratégie qui est de dépister les cas. Parce que c'est vraiment le point d'entrée de toute stratégie de riposte contre les maladies infectieuses. Donc c'est de dépister les cas afin de pouvoir faire la part des choses, savoir isoler ensuite et prendre en charge ces cas. Nous voudrions vraiment apprécier et saluer le choix que vous avez porté sur ces sites et également saluer le choix que vous avez porté sur les interventions de prévention et de promotion des mesures barrières contre cette maladie. Les interventions d'Oxfam privilégient l'approche communautaire à Cotonou, Dangbo, Ouida, Bomassé et Toribo-Sito, ce qui amène l'ONG à faciliter aux communautés l'accès à l'information juste sur la pandémie, puis renforcer les mesures de prévention et de riposte. Changement de registre à présent, l'examen national du certificat d'études primaires CEP s'est poursuivi hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Au centre du complexe scolaire de Menotin à Cotonou, par exemple, tout se passe normalement, selon le chef centre Richard Kodjo-Hunjo, qui nous fait un point du déroulement des épreuves à ce jour. Voici un extrait de ses propos. J'ai bien travaillé en lecture, en expression écrite, en dessin, en ES, en EST, en mathématiques, en oral et en sport. Les épreuves du CEP étaient faciles. Quelles sont les matières dans lesquelles tu as bien travaillé? Il y a lecture, ES avec EST, étudié. Je suis sûr de la mathématique, de l'ES et l'EST. Ils ont dit de calculer quelque chose, mais je n'avais pas compris. Non, les autres items, j'ai trouvé. Je ne suis pas fort en portrait. On nous a demandé de faire le portrait d'un homme qu'on a rencontré. Et en dessin, on nous a dit de dessiner un manguier. Ce qui m'a embêté, c'est... En dessin, c'est de dessiner un manguier. Et c'est pas très bien dessiner un manguier. Je viens de finir le sport. J'ai fait la vitesse et le lancer. Le lancer, j'ai bien lancé. Et la course, j'ai bien couru. Aucune épreuve n'a porté sur le coronavirus. Je sais que je vais réussir. Nous avons effectivement démarré les épreuves écrites et orales le lundi. Et nous avons abordé, n'est-ce pas, la phase écrite à partir de 8h30. Donc les candidats étaient là déjà à 7h à leur appel. Et la journée s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident. Sauf que vous constatez, le centre de Menotin est en grande partie inondé. Bon, des efforts ont été faits par les autorités pour que l'eau se retire, pour que nous ayons, disons, quand même une cour un peu sèche. Mais cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, le déroulement. Donc la phase écrite étant terminée, nous avons démarré ce matin la phase d'éducation physique et sportive. Nous avons déjà pris les performances des enfants et donc actuellement nous sommes en train de faire le travail de secrétariat pour donc remplir les grilles d'appréciation, les grilles d'observation et autres. Dans notre centre de Menotin, nous avions 366 candidats inscrits. La mobilisation était très grande et les enfants étaient présents et nous n'avions eu que 5 absents sur les 366. Ça veut dire que globalement 361 candidats ont composé dans ce centre.
il n'y a pas eu d'abandon. Bon, quelques enfants, et naturellement, ont connu quelques petits malaises, mais très, très vite, maîtrisés par l'agent de santé mis à notre disposition. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est bien déroulé. Voilà, Ingrid, pour à la suite d'une descente au centre de composition de Ménotin pour s'assurer du bon déroulement des épreuves du certificat d'études primaires CEP. Une tombola des factures normalisées, la trouvaille de la Direction générale des impôts, eh bien, le directeur a effectué une sortie pour en expliquer les tenants et les aboutissants. Rappel a été fait également des lots mis en compétition. On l'écoute. Une tombola simplement parce que nous estimons aujourd'hui que l'administration fiscale ne doit plus continuer par regarder ses contribuables en chien de faïence. Nous avons estimé que ce n'est pas le dialogue, pas la discussion que les concitoyens, toute la population, va comprendre le bien fondé de l'impôt. Et la tombola vient un peu comme cet outil social qui rassemble. Pour participer à la tombola sur les factures normalisées, c'est assez simple. Il suffit, après votre transaction, de réclamer et d'obtenir votre facture normalisée. Et ensuite, vous allez conserver cette facture pour participer à la tombola. Au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons une base de données qui récupère l'ensemble des factures normalisées émises sur le territoire national. Il suffit qu'il conserve sa facture et nous, on organise la tombola tous les vendredis à 10h à la Direction générale des impôts. On a mis en place un outil simple qui permet de faire le tirage de façon totalement aléatoire et sans intervention humaine. Ce qui veut dire que c'est totalement transparent. Et la Loterie nationale du Bénin, assistée par l'huissier de justice, sont là pour valider la tombola. Pour plus de transparence, nous avons décidé dans le règlement de jeu d'exclure tous les agents de la Direction générale des impôts. C'est pour donner plus de crédibilité au système parce que si un agent des impôts, si un agent de la DGI était attributaire d'un lot, ça pourrait susciter de la polémique. Lorsqu'un étranger de passage au Bénin et réalise une transaction, fait un achat dans un magasin, il lui suffira de conserver sa facture pour gagner les lots. Pour en revenir au lot, donc tous les vendredis, on aura tiré 5 lots de 200 000, 15 lots de 100 000 francs CFA, 30 lots de 50 000 francs, 50 lots de 20 000 francs. Et à la fin de chaque mois, il y aura deux lots supplémentaires de 500 000 francs chacun. Et en décembre, à fin décembre, on aura maintenant les deux gros lots qui sont constitués donc de voitures neuves d'une valeur unitaire de 25 millions. Pour savoir qu'on a gagné, il suffit de consulter tous les vendredis le site web de la Direction générale des impôts, les lots sont publiés. En dehors de cela, ils sont publiés sur nos canaux digitaux, sur Facebook, sur YouTube et également dans la presse. La TVA, c'est la contribution de chacun de nous, c'est la contribution de chaque citoyen. Étant donné que l'État ne peut pas se mettre derrière chaque citoyen à désigner les entreprises comme étant des structures collectrices de la TVA. Donc, elles sont chargées juste de collecter la TVA pour le compte de l'État. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser les entreprises conserver les factures. C'est pourquoi nous devons réclamer à chaque achat la facture normalisée, quel que soit le montant. Et si vous exigez la facture normalisée, au même moment où votre TVA rentre directement dans les caisses de l'État pour contribuer à la construction du pays, vous allez encore gagner des lots. Voilà, et pour finir, accident de circulation dans la dépression de Guémen.
où deux véhicules sont entrés en collision. Les faits se sont produits dans la nuit du lundi au mardi sur la route inter-État Cotonou-Boïkon. Le bilan fait état d'un mort et de nombreux dégâts matériels. Davantage de détails avec Emmet Hélène Amoussou et Georges Vaudonou. Une file interminable de véhicules, voyageurs, transporteurs et autres usagers de la route sont obligés de patienter. L'axe Cotonou-Boïkon, habituellement fluide, est resté complètement obstrué toute la matinée et l'après-midi de ce mardi 7 juillet 2020. À l'origine du calvaire des usagers, un accident survenu nuitamment dans la dépression de Guémé, commune de Tofo. Un camion en provenance de Cotonou est entré en collision avec un J9 en direction du département du littoral à proximité d'un véhicule de chargement communément appelé Bâché. Depuis 0h, il y a un camion gros porteur qui a quitté Cotonou pour le nord. Et il s'est renversé dans la dépression de notre quartier Guémé. Et c'était un autre camion qui était devant lui. Et lui, il n'a pas de frein pour continuer. Et pour ne pas coller celui qui est devant lui, il s'est dévié. En déviant, il a trouvé justement un J9 qui vient de Boïkon. Et ils se sont croisés. Le conflit routier a engagé trois véhicules. Une Bâché, une J9 et un ensemble articulé d'immatriculation étrangère. Bon, pour le moment, nous ne pourrons pas situer la responsabilité parce qu'on n'était pas sur le terrain. Mais vu l'heure du conflit routier, nous pourrons dire, c'est une hypothèse, que soit le conducteur de l'ensemble articulé était un peu fatigué, il dormait, il somnolait au volant, ou carrément son système de freinage a eu un coup. Le bilan dressé fait état d'une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Les chargements et les trois véhicules sont partis en fumée. Pour dégager la chaussée et permettre une reprise de la circulation, les forces de l'ordre, sapeurs-pompiers et une grue de manutention ont été mises à contribution. Étaient également sur les lieux les agents du Centre national de sécurité routière, CNSR. La descente de Guémé Centre, là, c'est à revoir. À Guémé, il n'y a pas de lumière. C'est tout ça qui crée l'accident chez nous ici. Mais il n'y a pas de l'eau. Quand ils sont en train de travailler, maintenant, il manque de l'eau. On va à Boïkon ou bien à l'ADA pour chercher de l'eau avant de venir éteindre d'abord les sapeurs-pompiers là. De voir leurs problèmes, leurs cela. Sinon, ça tarde. S'il y a feu, on est obligé d'appeler Boïkon. Si Boïkon n'arrive pas à l'ADA, ils essayent. Mais il leur manque de l'eau, leur camion aussi manque des choses. Une fois encore, on appelle cette conscience humaine-là. Quand on est fatigué, le mieux, c'est de garer quelque part. Et le lendemain, on prend la route. Et aussi, nous avons constaté que cette bâchée est défectueuse et a été garée là depuis des jours en voulant éviter la bâchée. Et l'ensemble articulé s'est retrouvé nez à nez avec la J9. Cet accident révèle une fois encore la question de la prudence sur les axes routiers. L'éclairage public, le respect du code de la route et bien d'autres problèmes ont été soulignés par les usagers. Les agents du CNSR en appellent au sens de responsabilité des conducteurs, en particulier ceux des gros porteurs. Voilà, avis aux usagers de la route. Et ce sera tout, Richard Dandéguian, pour le bulletin de ce matin. Merci beaucoup, et ce ne sera pas tout pour Actu Matin. Rendez-vous de ce jeudi 9 juillet 2020, la suite de notre matinale. Merci à vous, Nagui Balagbe, très bonne journée. Eh bien, on retrouvera notre invité du forum. Nous allons donner la parole ce matin aux aspirants au métier d'enseignant. Pierrot Akodianou est porte-parole du collectif national des aspirants. Il sera avec nous. Nous verrons donc ce que vivent les enseignants recrutés par l'État béninois depuis leur recrutement. Et puis l'île d'Agonvé se trouve dans la commune de Zanyanado. Dans cette localité, eh bien, habitants et nature ont une histoire d'amour qu'il nous racontera ce matin. Fulbert Adjumerosou dans la chronique environnement. Mais avant tous ces rendez-vous, le forum de discussion va s'installer. André Dossa, Hakim Esselou Sénine. On reviendra donc sur l'actualité du moment, les sujets abordés en Conseil des ministres hier. Et puis, la Côte d'Ivoire qui pleure depuis hier son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, décédé. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, j'ai mes préservatifs. Le parti est lancé, les meufs sont chaudes. Toujours protégé, qui se le saut. Sourire de vainqueur, un regard protecteur qui toujours a.
Merci pour ton protection. Ce soir, il n'y aura plus de suppositions. Il n'y a pas de suppositions. C'est la loi de l'attraction. Ce soir, on est classé, passé, glacé. Kiss Kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations. Téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Et voilà, merci de nous rester fidèles pendant qu'il sonne 7h42 minutes ici même dans nos studios à Canal 3 Bénin. Vous êtes installé, André Dossa, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour à vous, Akimé. Christian, bonjour. Voilà, pas de défilé, pas de parade militaire. Les enfants de troupes du Britannique militaire de Bembarekène ne seront pas au rendez-vous. Les jeunes filles du lycée militaire de Nati Tengu également ne seront pas au rendez-vous de ce 60e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Akimé, Seydou Ousseni, pandémie du coronavirus oblige, déception totale pour vous? Non, déception, mais alors pas du tout. Au regard de l'ampleur que prend la pandémie du coronavirus, bon, voilà, on ne peut pas être totalement déçu. Et parce qu'il faut d'abord être en bonne santé, Christian, avant de pouvoir prendre part à un défilé militaire ou peut-être avant de pouvoir rester devant son poste téléviseur. Oui, celui qui vous suit en ce moment, il veut voir véritablement si vous êtes en direct. Oui, il est en direct, il est en direct, voilà. Voilà, je disais qu'il fallait être en bonne santé avant donc de pouvoir suivre le défilé militaire à la télévision ou être en bonne santé avant de pouvoir prendre part à ce défilé militaire. C'est vrai que ce sera le 60e, Christian Dandéjan. Oui. On aurait voulu que ce soit l'occasion pour le Bénin de pouvoir prendre part à des moments très exceptionnels de ce défilé. Bien malheureusement, ça ne sera pas le cas parce que il faut travailler véritablement à ce que on puisse limiter la propagation de ce virus. Alors vous constaterez que d'ailleurs, à l'occasion de ce Conseil des ministres, il n'était pas seulement question, je dirais, de mettre en parenthèse le défilé militaire, mais on a pris tellement de dispositions pour pouvoir contrer le mal qu'il serait totalement superflu et je dirais contradictoire que de savoir qu'on aurait énoncé autant de dispositions pour maintenir encore en l'état l'organisation du 1er août 2020. Donc, je crois que c'est une décision bien pensée. Yeah. Il fallait qu'on en arrive là parce que y a bien d'éléments qui concourent véritablement à ce que on puisse prendre à bras le corps cette pandémie du coronavirus qui prend une proportion très, très alarmante. Alors, le 1er août 2020, ce sera totalement un blackout, André Dossa. Quand on parle de célébration, on a souvent bien le regard tourné vers la manifestation ou les festivités marquant notre indépendance, et c'est à Cotonou que le regard est bien souvent tourné, mais cette fois-ci, nous n'aurons que deux événements majeurs, le dépôt de gerbes au niveau du monument aux morts et puis une revue des troupes du chef de l'État. Oui, ce ne sera pas un blackout total, mais ce sera plutôt une sobriété absolue, pour emprunter cette expression au ministre porte-parole du gouvernement. Je crois que c'est le moins que le gouvernement puisse faire lorsque on est confronté à cette propagation, à cette vitesse-là. Aujourd'hui, le Bénin a battu son record en un temps record. quelques semaines. Quelques semaines, on a franchi la barre de 1000 cas et maintenant, on est en train de continuer d'évoluer. On ne sait pas encore concrètement quand est-ce qu'on va atteindre le pic. Je crois que tout gouvernement responsable face à cette situation doit pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Et dans le cas d'espèce, la mesure qui s'impose,
c'est de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et décider donc qu'il n'y ait pas célébration officielle dans le sens donc des manifestations traditionnelles auxquelles nous avons droit à l'occasion de la fête nationale. Vous en avez cité quelques-uns, quelques faits marquants des défilés militaires, souvent justement les enfants de troupes, la marche prussienne, la marche religieuse, et quelques matériels donc des forces armées. Hélas, on n'en aura pas. Il faudra ressortir les vidéos de 2019 Je crois que des discussions sans doute seront prises, ne serait-ce qu'au niveau de la télévision nationale, pour diffuser les derniers, enfin le moment fort des dernières célébrations de la fête nationale, ou plutôt la proclamation de l'indépendance par Hubert Maga à l'époque. Je crois qu'il faudra effectivement miser sur les médias pour faire vivre aux citoyens qui devront donc rester chez eux pour vivre et vibrer ensemble à l'occasion donc de cette célébration, leur permettre de suivre ces archives de la célébration. Vous savez, c'est 60 ans, c'est très fort, c'est symbolique. Et normalement, on devrait marquer cela d'un cachet particulier. Il me semble que le chef de l'État prenait des dispositions pour que certains de ses pairs puissent assister à cette célébration. On parle d'une dizaine de chefs d'État. Ça aurait permis à quelques citoyens de l'intérieur du pays qui ne savent pas que le décor a changé sur le littoral de notre pays, en tout cas de la loterie nationale du Bénin jusqu'à l'aéroport, que le décor a changé à ce niveau-là. Et que c'est à cet endroit qu'on devait célébrer. S'intéresse désormais un grand boulevard, une vraie marina, ouais, bien éclairée, bien large, etc. Même si les travaux ne sont pas terminés, je crois que, on va garder notre balle en patience. Et donc, je disais que c'est le moins que le gouvernement puisse faire. Non, mais je faisais la question à Hakimé, si il était déçu, il dit non. Et vous? Non, mais pour moi, quand on voit ce que vous présentez, c'est comme si on ne peut plus être déçu aujourd'hui où nous sommes bien rodés à cette actualité de la Covid-19. On nous a privé déjà de beaucoup de choses. Nous ici, nous sommes relativement plus heureux que d'autres où qu'on a dû confiner pendant des mois. Figurez-vous qu'il y a des endroits du monde où des gens ont subi plusieurs semaines de confinement et qui sont actuellement en ce moment en train de subir le reconfinement. On doit pouvoir plus ou moins se réjouit, même si ce n'est pas une actualité gaie, une actualité source de joie. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes en train de battre des records. Nous avons passé 1300, ça continue, le nombre de décès également qui augmente, parce que nous continuons à ne pas toujours observer les gestes barrières, à ne pas toujours écouter le gouvernement. J'espère que quelques sceptiques qui continuent de croire que oui, c'est une création, il n'y a pas le coronavirus, pourront voir à travers cette décision de ne pas pouvoir suivre le défilé civil et militaire du 1er août, que c'est du sincère et que c'est vraiment très sérieux, puisque le gouvernement ainsi en prend la mesure, de l'ampleur de la situation. Revenons au timing. Nous sommes à pratiquement moins d'un mois de la commémoration du 1er août. Le temps que le gouvernement a mis avant de prendre cette décision, est-ce qu'il vous est arrivé déjà d'analyser cela? Pourquoi c'est maintenant qu'on prend une telle décision? Non, je crois que la décision, le moment importe peu. Et si c'est peut-être maintenant, c'est parce qu'au regard de la situation actuelle, il fallait forcément, je dirais, se poser les vraies questions. C'est une évidence que, on a tenté une expérience, c'est-à-dire disposition pratique au début, je dirais, de la pandémie du coronavirus. On a vu que ça a payé, il n'y a rien à faire. Et quelques temps après, on a été obligé, au regard de l'évolution de la pandémie du coronavirus, on a un peu desserré l'étau. Et ça a commencé déjà par quoi? L'ouverture de certaines structures, de certains secteurs d'activité. On est même allé au communal et municipal avec, dans la foulée, le comportement de certaines personnes à l'occasion, je dirais, de la campagne dite électorale, bien entendu. Et donc, vous constatez avec moi, Christian, que dans les explications qui concourent à, dans les explications qui concourent à l'augmentation donc, des cas de coronavirus, il n'y a que le ministre de la Santé, vous l'avez suivi, je crois, il y a quelques jours, a été formel sur ce que, il fallait forcément commencer par respecter de façon plus rigoureuse les gestes barrières, mais il était en train d'absoudre le fait que pour certains compatriotes, il n'y a que les élections communales et municipales sont passées par là. Oui. Nous avons aussi entendu le ministre porte-parole du gouvernement aussi qui a tenté des explications par rapport à ça. Donc,
comprenez qu'il aurait été, comme je l'ai dit, vraiment contradictoire, Christian, que de constater que, eh bien, on est en train d'une manière ou d'une autre de situer les responsabilités et que, eh bien, le 1er août prochain, qu'on soit obligé encore, Christian, de se mettre, je dirais, au devant de l'actualité avec la célébration de la fête du 1er août. Et vous savez quels sont les éléments qui concourent à la tenue de la fête du 1er août. D'abord, il faut les répétitions, c'est bien oui, ça. Oui, hein? Il faut les déplacer. Ce n'est pas seulement ceux qui sont à Cotonou qui participent au défilé militaire. Vous avez bien fait de rappeler les enfants de troupes de Bimbiriké et nos jeunes sœurs du lycée militaire de Natitengu. Les eaux forêts qui sont disséminées un peu partout auxquelles on fait appel, les éléments de la douane, les forces armées béninoises. Donc, vous voyez, c'est tout ce bon monde, il faut les convoyer. Et franchement, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, nous avons les dispositions sanitaires individuelles à mettre à disposition de ces messieurs et dames pour pouvoir tenir la fête du 1er août. Donc, vous me demandez si pourquoi est-ce qu'on a attendu trop de temps. Non, on n'a pas trop attendu. Il fallait forcément un mois de prendre la décision. Ils ont peut-être espéré que les choses vont s'améliorer, mais franchement, ce à quoi nous assistons ne permet pas de prendre une décision qui concourt à mobiliser encore autant de surtout personnes. Que c'est une fête populaire. Pour ne pas, exactement. Oui, je crois que ça participera à cette décision du gouvernement à davantage sensibiliser la population sur le fait aujourd'hui que le coronavirus existe et que c'est aujourd'hui un problème de santé publique majeur que chacun doit pouvoir à son niveau prendre des dispositions. On n'a en principe pas besoin d'observer l'attitude d'un gouvernement avant soi-même de se protéger et protéger les autres. Le 1er août, et notamment, qui doit marquer notre 60e anniversaire. Vous savez, il y a ces anniversaires qui ont un symbole très fort, qui doivent donner lieu à une grande célébration, à une célébration nationale. Et cela devrait également s'étendre à nos différentes collectivités locales, c'est-à-dire cette particularité du 60e anniversaire. Mais hélas, il faut juste se rendre à l'évidence. Dans les 77 communes, il y aura aussi un symbole. Oui, bon, le symbole, oui, c'est clair que le chef de l'État, il ira déposer au niveau donc du monument aux morts, il va s'offrir une revue de troupes symbolique, juste pour rester collé à cet événement-là. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un a pu espérer, dans le contexte actuel du coronavirus, que le gouvernement décide d'organiser. Ce serait totalement irresponsable et ce serait totalement incompréhensible de la part d'un gouvernement de prendre telle décision. Donc, passons à autre chose. Premier, on comprend que c'est impossible. Peut-être on reporte la manifestation à l'année prochaine. Le Conseil des ministres a dit par rapport à cela, est-ce que ça va se tenir encore en 2020 Vous savez, c'est quand même terrible, cette maladie-là. Ce serait le dernier 1er août du président Patrice Talon, en tout cas pour le compte de son premier quinquennat. Je ne sais pas s'il envisage de briguer un second. Et le premier pour le nouveau maire. Et le premier, j'en reviens justement. Donc, c'est son dernier. Et souvent, vous savez, ça a quand même ce caractère-là où on ne manque jamais de souligner que c'est son premier. On veut voir quels sont les mouvements. Le sourire est-il plus large que les précédents, etc. ainsi de suite. Et bien là, les nouveaux maires qui, dans leur habit, leur tenue d'apparat, désormais, à présider, vous imaginez les tout nouveaux maires, les novices là, qui allaient présider pour la première fois, vivre une revue de troupes en étant de l'autre côté, du côté de l'autorité, pour voir quel sentiment a pu animer ceux qui les ont précédés dans cette posture. Hélas, ce ne sera pas le cas. Mais je pense qu'ils pourront également, à l'image du chef de l'État, déposer des gerbes ou peut-être symboliquement faire aussi des revues de troupes avec évidemment un détachement très limité et des agents en pied avec leur masque ou leur visière. Ça vous inquiète? Non, pas du tout. Ça n'inquiète pas. C'est juste le symbolisme dont parle André. Le dernier défilé pour le compte du quinquennat. Du président Patrice Talon. Et puis le premier, bien entendu. Et moi, franchement, j'attendais beaucoup plus le premier au niveau des nouveaux maires. Et comme l'a dit André, les novices véritablement voient un peu comment est-ce qu'ils vont s'ils se comporter. Vont réussir à mettre l'écharpe à l'endroit comme cela se doit, normalement. Exactement. Et puis voilà, comment est-ce qu'ils vont se tenir devant leurs différents administrés. Mais bon, ce n'est que partie remise. C'est vrai qu'on ne parlera plus de 60 ténaires, ce sera 60+1. Ça aussi, c'est symbolique, 60+1. Je crois qu'il faut simplement prêter
et souhaiter que Dieu nous prête longue vie et que la pandémie du coronavirus, franchement, Christian Adandéjan, puisse être mise en parenthèse. Sinon, je crois que ça ne sera pas que le 1er août hein, qu'on va fêter dans la sobriété. Bien d'événements vont être obligés aussi de subir le même sort que le 1er août. Donc, je crois que si cela en sera ainsi, ça dépendra du comportement des populations que nous sommes. Parce oui, parlons justement du comportement, le rappel. C'est vrai que l'État doit être l'exemple, et d'ailleurs, en apporte l'exemple. Il n'y a qu'individuellement, je crois que c'est à ce niveau qu'il va falloir qu'on mette véritablement l'accent. Il va falloir qu'individuellement, que les populations que nous sommes. Et là, nous sommes en plein dans le second thème de ce matin, avec la réalisation. À être rigoureuse hein, dans l'observance des gestes barrières. Il ne sert à rien de continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui, Christian, à croire que le mal n'existe pas. Vous avez vu des fausses qui ont été envoyées comme ça sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la manière dont on inhume les personnes qui sont décédées du coronavirus. Elles ne sont pas décédées d'une maladie de la honte, mais malheureusement, la manière dont elles sont traitées doit nous amener à prendre conscience. Et même les personnes qui sont mortes du VIH-SIDA n'ont pas été traitées de la sorte. Mais malheureusement, ce que nous voyons, franchement, doit nous amener véritablement à prendre conscience de l'existence. Mais est-ce que vous pensez que ça choque les concitoyens? Est-ce que ça les emmène à véritablement respecter les règles? Moi, ça me choque qu'un Béninois, Antoine, que quelqu'un meurt du coronavirus et qu'il ne puisse pas avoir, je dirais, les honneurs de sa famille. De sa famille. Franchement, moi, ça me choque. Parce que chez nous, nous avons appris, Christian, à célébrer nos morts. Malheureusement, depuis la pandémie du coronavirus, même ceux qui sont morts, pas du mal, vous avez vu, c'est souvent dans l'intimité familiale, les condamnés sont reçus au cimetière, ils sont combien au cimetière. Donc, c'est autant de choses, franchement, Christian, qui doivent nous amener à prendre conscience de l'existence de cette pandémie et à respecter de façon rigoureuse les gestes barrières. Ça nous coûte quoi, Christian, de porter son masque lorsqu'on quitte la maison pour aller faire son petit achat à côté? Ça coûte quoi, je dirais, Christian, que quand vous êtes 2, 3, 4 dans un véhicule, que vous portiez votre masque? Ça nous coûte quoi de nous laver régulièrement les mains quand on va, par exemple, manger, quand on a fini de manger? Et puis, qu'est-ce qu'on perd, Christian, à ne pas se serrer les mains? On ne perd rien à ne pas se serrer les mains, franchement, quoi. Donc, je crois que chacun, pris individuellement, doit travailler à cet état de choses et qu'on arrête avec cette petite manie qui consiste à dire non, Christian se porte bien, il n'y a pas de souci, on peut s'embrasser. André, non, son visage, il est bien beau, il ne souffre pas du coronavirus. Je crois qu'il va falloir qu'on puisse travailler à ce que ce mal-là puisse être contrecarré. On a tout le temps pour nous saluer, pour nous embrasser, pour faire comme on faisait un peu par le passé. Seulement si on travaille à respecter et à militer véritablement lutter contre cette pandémie. Alors le gouvernement qui rappelle une fois encore André Dossin, puisque c'est une large page qui a été consacrée au rappel des mesures de restriction, ces mesures qui sont toujours en vigueur. Oui, les mesures sont toujours en vigueur et il faudra que les uns et les autres les respectent et les respectent scrupuleusement. C'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est facile pour personne d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Mais il faut se battre. Si nous aimons la vie, si nous voulons continuer à voir les nôtres, à profiter d'eux, il faut les aider à respecter soi-même déjà et faire en sorte que les autres respectent. Il faut toujours avoir le réflexe de dire à celui qui n'a peut-être pas bien mis son cache-nez que ce n'est pas bon et de l'aider à le mettre pour dire à celui qui peut-être n'a pas cru devoir se laver les mains avant de rentrer chez vous ou quelque chose de ce genre. Il faut le rappeler, c'est très important. Et le cache-nez, ce n'est pas le cache-menton. C'est aussi ça le souci. Le cache-nez, ce n'est pas le cache-menton. On dit cache-nez, mais l'on pense que bon, il faut peut-être le mettre sur la bouche. On n'a pas dit non plus cache-bouche. Puisque c'est d'abord le nez prioritairement qui est. C'est vrai, la littérature sur le coronavirus a beaucoup évolué, mais pour le moment, il y a des constances. C'est qu'il faut porter le cache-nez, élément premier. Puis après, se laver les mains, éviter respecter la distanciation sociale. Je crois que c'est ces trois mesures, quand on les respecte, on évite d'être enterré comme un chien sans l'assistance de ses parents. On évite même que son corps puisse recevoir les derniers hommages de la famille. Vous vous souvenez, en France, quand ça chauffait, il y a des familles qui ont dû payer auprès des pompes funèbres pour juste regarder de loin le corps de leurs parents. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Imaginez une situation pareille dans un contexte ici où nous adorons nos morts, où le mort représente quelque chose de très fort pour nous. Je crois que nous pouvons éviter cela en respectant les mesures barrières. Voilà.
Et nous allons passer à un autre sujet. Cette fois-ci, je vous emmène à l'international avec cette actualité en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly décédé hier des suites d'un malaise en plein conseil des ministres. La particularité de ce décès, c'est que Amadou Gon Coulibaly est candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Il est le candidat désigné du parti au pouvoir, le RHDP André Dossa. Une grosse perte pour Alassane Dramane Ouattara et sa compagnie. Forcément, vous savez, lorsque vous perdez un candidat sérieux à la l'élection présidentielle et qui se trouve d'ailleurs être le dauphin du président sortant en Afrique, c'est forcément une grosse perte. Et c'est le cas justement pour le RHDP de Alassane Ouattara et donc Gon Coulibaly. Il a tiré sa révérence. Il faut dire que c'est vrai, on ne va pas se réjouir de la mort d'un être humain, mais c'était une mort plus ou moins annoncée, parce que on le voyait souffrir, on le voyait se battre pour s'accrocher à la vie. Il est quand même d'un certain âge. Il a dit que c'est son état de santé, son âge certain, sont des éléments qui auraient pu ou dû amener les uns et les autres à savoir raison garder, à ne pas trop forcer les choses et choisir quelqu'un d'autre comme dauphin. Ça a été fait. Vous savez, l'agenda des êtres humains n'est pas celui de Dieu. Et lui, il a prévu que les choses se passent de cette façon-là. Et voilà, nous y sommes. Lui qui pense que la jeune génération, c'est Gon Coulibaly, c'est aussi ça le problème avec certains de nos chefs d'État en Afrique extraordinaires, qui pensent que la jeunesse n'a aucune valeur, aucun mérite, et que c'est toujours gens nés avant les indépendances qui doivent continuer toujours à nous diriger. Et des gens qui, au fond, ne sont plus aujourd'hui au fait des nouveaux défis, des exigences du monde actuel, mais qui ont fait leur vie, ont fait la vie de leurs enfants, et eux continuent à faire la vie de leurs petits-fils, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est terrible. On va peut-être souhaiter que Dieu le reçoive auprès de lui, mais que ça puisse aussi servir de leçon à tous ces messieurs qui pensent que ils sont immortels et qui peuvent toujours continuer à forcer le destin, à forcer les choses. Il y a un être suprême qui a fixé le calendrier, l'agenda et qui le déroule. Voilà, 61 ans, il n'a pas survécu à son mal qui le rongeait depuis plusieurs années. On rappelle qu'en 2012, il avait été transplanté, son cœur avait été transplanté. Ouais, il porte un cœur artificiel, comme on le dit. Alors, une redistribution des cartes au sein du RHDP après les obsèques? Non, forcément. Et la preuve, c'est que quand vous avez entendu les différentes voix qui se sont élevées au lendemain, donc, ou à quelques heures après sa mort, il y a que c'est clair que pour l'instant, on ne parle pas encore de qui est-ce qui va être le nouveau candidat du RHDP. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois que l'argument de la jeunesse avancée au fort moment donc, de la désignation d'Amadou Gon Coulibaly, c'était un argument un peu léger. Sinon que bien d'éléments ont concouru au choix d'Amadou Gon Coulibaly parce que, bien entendu, et bien en Afrique, ce qu'on sait, c'est que le dauphin a été souvent un homme de main et le prédécesseur d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une évidence. On ne va pas se le cacher. Gon Coulibaly et puis Alassane Dramane Ouattara, c'est plus de 30 ans d'amitié. C'est d'ailleurs depuis 1983 qu'ils se sont connus. Et puis ils ont tissé une certaine complicité qui a amené les deux hommes à être pratiquement ensemble à tout moment. Alassane Dramane Ouattara fut nommé Premier ministre sous Félix Houphouët-Boigny. Il a travaillé dans le cabinet d'Alassane Dramane Ouattara comme conseiller technique. Et depuis lors, on l'a revu encore sur la scène politique à l'occasion du gouvernement de réconciliation. Ça rappelle un peu les événements douloureux de 2000 en Côte d'Ivoire où il a occupé le poste de ministre de l'Agriculture. Il a été beaucoup plus au front de l'actualité politique quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011. Et on l'a vu d'ailleurs, je crois qu'il a été le secrétaire la présidence d'Alassane Dramane Ouattara avant Premier ministre. Et puis, accessoirement au poste de Premier ministre, c'est que c'est lui qui est le patron du budget. Ça veut dire que quelqu'un qui occupe ce portefeuille, c'est un homme de main. On l'a appelé homme de dossier pour Alassane Dramane Ouattara. On est allé plus loin pour faire constater qu'il mettait même les arcanes, des couloirs financiers à l'international, comme d'ailleurs son mentor Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'était de bon droit pour Alassane Ouattara de choisir quelqu'un
quelqu'un comme ça, oui, qui pouvait gérer ses arrières. Bien malheureusement, c'est de 61 ans, il a eu cette glissade verbale de ce que, bon, pour lui, c'est la jeunesse hein, qu'il incarnait à Malougon Coulibaly. Mais on ne va pas oublier que malgré ce charisme de l'homme, il n'était pas aussi le grand bienvenu dans la maison RHDP. La preuve, c'est quand il a été choisi comme, je dirais quoi, le patron du directoire de ce parti, il y a eu des grincements dedans au sein de la formation. Donc, c'était un homme de charisme, d'accord, mais c'était aussi un fougueux. Et donc, je crois que c'est des éléments qui ne méritaient pas forcément en sa faveur. Mais pour Alassane Ouattara, tenant compte du contexte ivoirien, on ne va pas oublier que c'est un monsieur qui est aussi très proche, hein, je dirais, des chefs traditionnels, parce qu'il vient d'une ethnie majoritaire au niveau donc, du nord de la Côte d'Ivoire. Il est xénophou. Donc, je crois que Alassane, oui, a tort à parler de jeunesse, mais c'était ces éléments qui l'amenaient à faire le choix de Amadou Gonclubali. Et comme l'a dit André, le calendrier des humains n'est pas forcément le calendrier de Dieu. Il n'y a que malheureusement sa santé a reçu véritablement un coup. Je crois que c'était aujourd'hui que ça ferait une semaine qu'il est rentré de... Justement, c'était le 2 juillet dernier. Exactement, oui. De Paris. Et malheureusement, le chef de l'État a accueilli à l'aéroport. Il ne verra pas aujourd'hui. Quelques jours après, il s'en va. Il est décédé. Il est conseil de ministre. Pas hier. Oui. C'est clair que après les obsèques et consorts, on ouvrira donc, je dirais, la succession, le choix prochain de celui qui va porter... Qui voyez-vous? Ouf! Non, je crois que Ouattara va devoir se choisir lui-même, parce que selon toute vraisemblance, il sera difficile de rapidement trouver quelqu'un d'autre. Mbak, oui, les gens évoquent Mbak. Mbak, c'est beaucoup plus... vous voyez, les Chinois, c'est le buzz, c'est le showbiz, le c'est culture, ça. Mais en termes donc d'ancrage politique au sein du parti, il me semble qu'il ne jouit vraiment pas de la même popularité qu'auprès des Chinois, auprès donc de réseaux sociaux et autres. Aussi, il faut dire, vous voyez, il estime que Amadou Gon Coulibaly est un jeune. C'est vrai, sur son acte de naissance, il est jeune. Mais il a un physique d'octogénaire. Il paraît même, en guillemets, plus sénile que Ouattara lui-même. Il paraît plus, en tout cas, plus vieux que Ouattara. C'est quand même terrible. Mais lui, son problème, c'est quoi Ouattara, quand vous l'observez? C'est qu'il lui faut maintenir le pouvoir coûte que coûte. Et c'est ça, on lit cette posture-là à travers cette volonté-là, à travers certaines postures qu'il prend. La question du CFA, oui, bon, tout ce que la France fait, on adoube ça, on applaudit, bon, des trucs comme ça. Il veut maintenir contre tout le pouvoir. Et s'il estime qu'en Mbak, où il n'y a pas quelqu'un d'autre pour relever le défi, il devra se positionner lui-même. Mmh. Et ça va donner lieu à un match Bédié-Ouattara, puis on verra ce que ça va donner. Justement, Bédié Ouattara, c'est de ça que les questions. Ouais, la Côte d'Ivoire n'a pas mieux interlocuteur en ce moment. Et ça pose un véritable problème. Non, mais il y a quand même quelqu'un comme Exactement. En fait, je parle d'interlocuteur du premier plan. Aujourd'hui, voilà les deux qui reviennent encore devant de la scène politique. Ça pose un véritable problème au niveau, je dirais, de la succession de nos chefs d'État en Afrique. Dites-moi, qu'est-ce que ces deux messieurs-là encore apporté et qui n'ont pas encore apporté la Côte d'Ivoire jusqu'en 2020. Leur expérience. Non, quelle expérience. Le carnet d'adresse qu'ils ont. Pas d'expérience, non. L'expérience a commencé un jour. Alassane Ouattara n'est pas né avec, je dirais, l'étoffe du président de la République. Il a d'abord fait les arcanes de Washington, il est rentré, il a été appelé aux côtés de Oufouet-Boigny. Si Oufouet-Boigny parlait d'expérience, c'est qu'il ne l'appellera jamais à ses côtés pour pouvoir, je dirais, faire ses premières expériences politiques. Il a fait. Et donc, je crois que ces argumentaires d'expérience et consorts ont fini de montrer leurs limites en Afrique, bien entendu. Le président français, c'est quel âge Christian Dania? Il y a bien d'exemples comme ça à l'international hein, qui forcent admiration. Je crois qu'il va falloir qu'on puisse repenser ce paradigme hein, en termes de choix ou de succession à un chef d'État. Sinon, franchement, la Côte d'Ivoire n'avancerait pas que de nous dire que, eh bien, au terme des élections prochaines, que ce soit Alassane Ouattara ou que ce soit Kona Bédié, on n'est pas encore sorti du bourbier. Quoi. Il y a bien de cadres, hein, il y a bien de personnalités fortes en Côte d'Ivoire qui incarne une jeunesse d'un certain respect qui peut véritablement jouer les premiers rôles en Côte d'Ivoire. Donc franchement, cette histoire de Alassane Ouattara, d'Henri Konan Bédié, quand vous les entendez, même, je crois qu'ils n'ont même plus le punch d'il y a 5, 10, 15 ans, 20 ans en arrière. Et donc, ils incarnent la sagesse. Non, ils incarnent la sagesse. La sagesse, ce n'est pas dans le nombre d'années passées sur Terre. La comparaison n'est pas raison.
Le président français, oui, d'accord. D'ailleurs, son successeur connaîtra les Biya, les Obiang Nguema, Sassou Nguesso et consorts. Oui. C'est clair. Mais encore que, est-ce que les Français pensent que vous pensez, ou pensez que oui, jeune président, d'accord, est-ce qu'il fait bien? Les Français ont leur opinion là-dessus. Oui. Mais les pays africains doivent être les seuls pays au monde à avoir besoin d'être dirigés par des expériences. nous battons beaucoup de records en la matière. Je ne sais pas quand est-ce que le règne de Sassou Nguesso ou de Paul Biya prendra fin, et ainsi de suite. Mais qui sont ceux qui ont applaudi la candidature de Bédié? Ce sont encore des jeunes. Ouais. Mais c'est aussi ça la question. Ouais. Ce sont des jeunes. Quand vous voyez le PDC compter des gens comme Billon, c'est-à-dire jeune, sémillant, clinquant, pimpant, compétent. Hein? Vous avez les Thiam et consorts. Mais ouais, c'est Bédié qui est candidat. Et les jeunes ont applaudi, ils sont d'accord. Donc ça veut dire que quelque part aussi, peut-être, ce n'est pas totalement la faute à ces nils-là, ces vieillards. C'est la sociologie de leur pays qui leur permet. Peut-être. Donc, enfin, moi, je crois que quelque part, la jeunesse africaine a une part de responsabilité dans cette situation que nous vivons dans certains pays africains. Mmh. Où, avant ma naissance, quelqu'un est au pouvoir, et là, pouvoir peut-être même jusqu'à ma mort. Bon, si. Et s'il ne continue pas d'être au pouvoir, s'il s'arrange pour avoir son fils. C'est le cadavre qui continue d'être au pouvoir. Et on va encore assister en Côte d'Ivoire à un match Ouattara Bédié. En 2020. À croire qu'il n'y a pas eu, après eux, toutes les générations d'après eux là, ont été décimées, qu'ils n'ont pas de mérite. En tout cas, pour le Côte d'Ivoire, leur est aux condoléances, hein, en attendant, peut-être que dans les coulisses, dans les couloirs, dans les milieux occultes, on est en train de réfléchir à qui positionner, un remplacement donc du défunt. Ce n'est pas officiel, mais on sait déjà que des jeux de couloirs se font, il n'y a rien à faire. On entendra d'ici peu ce qui se vit au niveau du RHDP, ça c'est clair. Surtout que la présidentielle est pour le mois d'octobre prochain. En principe, s'il était encore en vie, il devait être officiellement investi candidat en début du mois d'août prochain, c'est-à-dire dans quelques semaines. Merci à vous, Hakimé Seydou Kousseni, André Dossa. Vous serez avec nous. Ensemble, nous allons recevoir les aspirants au métier d'enseignant. On verra donc comment ils vivent leur passion depuis qu'ils ont été recrutés par l'État. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Brassé par les experts dans la pure tradition brassicole avec les meilleurs maïs du Bénin, Pils est la bière des connaisseurs de par son caractère, son élégance, son authenticité et ses valeurs distinctives. Bière légère, Pils est une affaire de qualité avec son nouvel habillage et son même goût unique. Pils, la bière des connaisseurs. Pils, Inside Life, Kelly. Et voilà, c'est le plateau de l'invité sur Actu Matin. Parole donc aux enseignants ce matin. Il est en plateau Pierrot Akodianou. Bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Vous êtes le porte-parole du collectif national des aspirants. Et donc, vous vous êtes fait recruter, aspirant, au métier d'enseignant. Votre situation, comment la vivez-vous? Merci, monsieur Christian. En tant qu'aspirant, nous avons été recrutés. Et parlant de la situation que nous vivons, elle est... En tout cas, je ne pourrais pas dire qu'elle est tellement reluisante, mais... En tout cas,
nous avons eu cette chance-là d'avoir des autorités qui nous écoutent de temps en temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut corriger au fur et à mesure que des situations surviennent. Alors, je voudrais d'abord, pour parler de la situation qui a écœuré plus d'un, évoquer la publication il y a quelques mois, en mars dernier seulement, d'une base de données. D'une base de données qui ne comporte pas tous les noms des aspirants qui devaient y figurer. Étant donné que en 2019, en janvier, mai et août 2019, le gouvernement avait organisé des tests de recrutement d'aspirants. Voilà. À l'issue de ces tests, donc, des gens ont été retenus dans la base de données. Et le travail a pris corps, vous voyez. Et subitement, en mars, on apprend qu'il y a une nouvelle base de données qui est publiée et qui ne comporte pas les noms de certains de vos collègues. Voilà, certains de nos collègues. Et nous avons mené des démarches pour savoir, pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Nous avons écrit aux différentes autorités, nous avons saisi la presse, nous avons tout fait. Et c'est vrai, l'attente a été longue, mais finalement, ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés et la base a été corrigée. Elle a été corrigée. Mais qu'est-ce qui était à la base de ce changement-là que vous avez observé et qui finalement a été corrigé? Oui, ce changement-là, vous voyez, au départ, quand on était recruté, on n'avait pas eu l'information selon laquelle ceux qui sont recrutés l'étaient sur la base d'un critère donné. On avait donc été recruté comme ça. C'est quoi le critère? Le critère, après, c'est après la publication de la base, de la liste, qui ne comportait pas les noms, qu'on apprend qu'il y a ceux dont les noms ne se retrouvent pas dans la base de données n'ont pas atteint le seuil de réussite. Vous voyez? Pourquoi les avoir alors inscrits sur la base de données s'ils n'avaient pas atteint le seuil de réussite? Voilà, c'est là la question que nous n'avons pas compris et nous avons cherché à comprendre en menant beaucoup de démarches. Nous avons en son temps écrit au ministère pour comprendre, ils nous ont reçus et c'est l'argument qui nous avait servi. Nous avons écrit au CNE également, nous avons écrit au président de la Cour constitutionnelle, en tout cas pour que toutes les parties, d'accord, puissent s'imprégner du dossier et nous donner satisfaction. Ont-ils été réhabilités plus tard, enfin après vos démarches? Tout à fait. Après nos démarches, nous avons été restaurés, mais il y a encore des collègues qui, jusque-là, n'ont pas été réintégrés, effectivement. Alors, dites-nous, l'aspirant, c'est quoi un aspirant? Alors, un aspirant, c'est celui-là qui a un diplôme de l'enseignement, en tout cas qualifié pour enseigner, et qui, sur la base donc, d'un test organisé à cet effet, devient aspirant quand il réussit à ce test. Voilà, c'est ça l'aspirant. Et il fait partie des enseignants. C'est une catégorie, donc, d'enseignants recrutés par l'État. Qu'est-ce qui diffère l'enseignant aspirant de l'enseignant ordinaire, des autres enseignants? Oui, l'enseignant aspirant est un jeune frais émoulu, d'accord, en tout cas de la formation universitaire ou, en tout cas... qui a suivi une formation professionnelle, vous voyez, et qui aspire au métier, qui n'est pas encore enseignant, mais qui est en train de faire ses premiers pas dans l'enseignement. Vous enseignez tout quand même. Nous n'êtes pas enseignants. Voilà, c'est là que la dénomination aspirant est un problème. Cette dénomination-là pose problème, effectivement. Pour vous? Oui, pour nous et pour même... Il y a eu même des situations qui sont survenues à cause de la dénomination aspirant. Et les autorités ont dû changer en disant, au lieu de dire aspirant, il faut alors désigner cette catégorie-là par pré-insérée.
pré-insérés. Donc vous êtes désormais maintenant, on va vous appeler des pré-insérés. Des pré-insérés au métier d'enseignant. Oui. Oui, et quand prévoit-on vous insérer réellement, définitivement? Bon, ils ont leur programme. C'est un programme. C'est un programme et on attend de voir si peut-être au bout de quelques années, on aurait atteint d'accord, le niveau. C'est pour combien d'années vous avez recruté? Bon, en tout cas, le contrat qu'on a signé, c'est pour juste 9 mois. Et nous venons, le contrat a pris fin déjà en juin dernier, le 30 juin dernier. Donc ça veut dire que là, vous êtes au chômage? Là, nous sommes déjà au chômage. Nous sommes déjà au chômage, M. André. Oui. Alors, vous êtes au chômage, ça veut dire que vous avez passé un bout de temps dans les écoles, apparemment. Comment a été la collaboration avec ceux-là qui étaient là avant vous? Oui, avec ceux-là qui étaient là avant nous, la collaboration, elle a été conviviale, elle a été parfaite, parce que ils ont reconnu que nous sommes également aspirants et nous faisons le même travail qu'eux. Les tâches sont les mêmes et il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Aujourd'hui, vous êtes combien au total sur le plan national? Aujourd'hui, nous faisons 15 875 aspirants. Nous faisons 15 875 aspirants au total. Voilà. Avec les compétences de chacun, racontez-nous un peu votre première expérience en situation de classe. Mon expérience en situation de classe, ça n'a pas été... Vous êtes professeur français. En tant qu'aspirant, bien évidemment. En tant qu'aspirant, bien évidemment. Si vous voulez pré-insérer. Voilà. Ça n'a pas été nouveau de me retrouver devant mes apprenants. Vous le faisiez déjà? On le faisait déjà dans la vacation. La vacation. Et on a déjà une expérience, des expériences. Un changement de statut qui est intervenu. C'est juste un changement de statut qui est intervenu et nous l'avons fait comme nous le faisions par le passé. Et c'était, en tout cas, ça se passe bien. Alors, vous avez abandonné la vacation pour faire le programme de l'aspirana. Voilà que c'est fini, tel que vous l'avez dit, le contrat est arrivé à terme. Est-ce que c'était un bon choix, finalement? C'est pas nous qui choisissons. C'est le programme, c'est comme ça que le programme a été ficelé par le gouvernement. Okay. 9 mois de contrat pour commencer. Nous apprenons déjà, on a fini les 9 mois, nous apprenons que l'année prochaine, ce sera plus... Nous sommes gérés, par exemple, cette année par l'ANPE. Nous apprenons que l'année prochaine, ce ne sera plus l'ANPE, ce sera l'ANAPES. Vous voyez, l'ANAPES qui va nous gérer. Et comment ça va se passer? C'est une agence. C'est une agence. Au fond, vous êtes des vacataires qui ont juste changé de nom et qui sont payés par quelqu'un d'autre, un autre employeur. Oui, un autre employeur. Mais seulement que les salaires ici sont fixes. Mm-hmm. C'est en fonction du diplôme de chacun. Et non en fonction du nombre d'heures. Non, et non en fonction du nombre d'heures. Mm. Voilà. Alors, c'est un bon programme selon vous ou bien il y a des choses à parfaire? Je pourrais dire que le programme n'est pas mauvais. Le programme n'est pas mauvais. Mais il y a des choses qu'on doit revoir, parce que, voyez, quand on prend cette situation-là pour laquelle je suis présentement sur votre plateau, celle de la base de données, les collègues qui ont véritablement passé le test et qui sont admis, voyez, et qui par la suite n'ont plus retrouvé leur nom. Moi-même, j'en ai fait partie. Et c'est récemment que j'ai été réintégré. Les démarches que nous avons menées ont porté leurs fruits. Et c'est le lieu de remercier, très sincèrement. Je commence d'abord par le chef de l'État, parce que quand nous avons commencé par mener les démarches et tout, nous n'avons pas vite eu gain de cause, mais nous avons vite saisi, on a pris les taureaux par les cornes, le taureau par les cornes du moins, en saisissant le chef de l'État qui... nous a écoutés et je remercie ce sens d'écoute du chef de l'État principalement. Et ensuite, le ministre de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle, le professeur Marion Kapo et son DAC, M. Marcelin Ouanou, qui eux aussi ont eu la volonté manifeste de nous rétablir. Ça, c'est à féliciter. Ça prouve que le gouvernement est à l'écoute
vraiment de la population, notamment des aspirants que nous sommes et qui sommes le fruit de, donc, des réformes entreprises par son Excellence Patrice Talon. En dehors de cela, je voudrais dire que après ces remerciements, je voudrais quand même donner quelques, ou bien porter quelques doléances. Vous avez peur de dire ce qui ne va pas avec vous, les problèmes que vous avez rencontrés ? Vous n'avez pas heurté quelques susceptibilités ? Non, non. Allez-y, c'est l'occasion. Parlant de problèmes rencontrés, oui. Vous savez, Monsieur André, je ne veux pas dire que le programme a été mal structuré, non, sinon que nous avons rencontré des problèmes. Entre autres problèmes, nous pouvons évoquer la situation des virements bancaires, des virements bancaires où on est là, on travaille et à la fin du mois, le salaire, on attend le salaire. Même à la fin du mois, on reste à attendre le salaire, on entame l'autre mois et c'est, on ne sait pas quand ça vient. Il n'y a pas une date fixe pour payer les salaires. Vous voyez, nous voudrions qu'à l'avenir, les autorités pensent à cela pour que le paiement soit ponctuel. Vous voyez, en dehors de ça, il y a une discrimination. Vous voyez, il y a une discrimination pour le même travail que nous effectuons. On a parlé tout à l'heure des catégories d'enseignants. Il y a les APE, il y a les ACE et il y a les aspirants, les pré-insérés. Vous voyez, pour le même travail, nous abattons le même travail pratiquement. Mais nous constatons qu'en début de rentrée, les ACE, les APE reçoivent des primes de rentrée. Et pas vous. Pas nous. Alors que nous faisons le même travail. Nous restons au chômage d'abord. Et nous commençons la rentrée sans rien du tout. Sans rien du tout. Vous êtes à part entière. Vous faites le même travail. Voilà. Déjà, les rapports entre vous et les enseignants à part entière, bon, je vous considère comme des enseignants entièrement à part. Est-ce que le courant passe bien? Est-ce qu'il vous snob? Est-ce qu'il y a aussi une discrimination à ce niveau? Dans la distribution des tâches à l'école par le censeur ou le directeur. Là, tout à fait. Et là, il y a une discrimination. Il y a une discrimination. Il faut le dire haut et fort pour que les choses soient corrigées. Il y a que parfois, vous voyez des tâches, en tout cas attribuées à rien que des aspirants parce qu'ils ne sont pas permanents, ils ne sont pas assez... Vous voyez, quand même, on organise les devoirs surveillés. Ce sont des aspirants qui surveillent. Les aspirants qui surveillent en majorité. C'est vrai, il y a quelques APE, ACE qui, en tout cas, sont honnêtes et viennent accomplir leur tâche. Mais pour la plupart, ils ne s'en soucient pas. Voilà. Ils vous ont entendu, les responsables, enfin, à divers niveaux. Puisque vous avez tout à l'heure salué le centre d'écoute des uns et des autres, on va espérer qu'ils vous entendent et qu'ils vous aident à vous épanouir davantage dans ce travail. Pré-inséré. On ne vous a pas entendu parler de formation. Vous êtes totalement bien formé ou vous n'en avez pas besoin? Par rapport à la formation, il y en a parmi nous qui ont fait les formations professionnelles, d'accord. Par contre, d'autres, comme moi par exemple, je n'ai pas encore fait une formation professionnelle, je n'ai que la licence en lettres modernes, vous voyez. Il urge que chacun de nous, d'accord, se fasse former davantage pour pouvoir tenir le coup, parlant de formation, vous voyez, c'est les moyens. Et avec ce que... Ce qu'on nous paie, ce n'est pas à la hauteur pour nous permettre de débourser. Vous voyez, le coût de la formation aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas... Vous gagnez combien?
Bon, ça, le Benoît ne révèle pas son salaire. Vous allez vous dire tout à l'heure. Le problème, c'est pas un secret. Vous ne payez pas le gouvernement. Bon, peut-être que pour madame à la maison, n'entend pas. Vous demandez une augmentation de la popote. Voilà. Voilà, nous voulions bien ne pas aller sur ce terrain. Mais c'est connu. C'est connu. D'accord, vous allez nous dire tout à l'heure dans les coulisses quand nous allons finir nos échanges de tout à l'heure. Oui, c'est la période des examens de fin d'année. Vous l'aviez dit tout à l'heure, dans les écoles, dans les collèges, c'est vous qui surveillez bien souvent les devoirs. Pour les examens de fin d'année, est-ce qu'on vous a inséré dans le plan de surveillance? Alors, dans le plan de surveillance, certains ont été pris en compte, vous savez. Souvent, tel que ça se programme, on ne programme pas à moins qu'il y ait des défaillances au niveau de la programmation, on ne programme pas le même enseignant pour les différentes tâches. Il y a la surveillance, il y a la correction. Vous voyez, si quelqu'un retrouve son nom à la surveillance, c'est qu'il n'ira pas à la correction. Si quelqu'un retrouve son nom ne retrouve pas son nom à la surveillance, c'est qu'il est possible qu'il aille à la correction. Mais il y a certaines choses qui se passaient par le passé. Je ne sais pas si ça va continuer cette année. Les aspirants, en tout cas, on était vacataires. Il y avait quelque peu une discrimination aussi à ce niveau-là, où on priorisait certaines personnes. En tout cas, c'était sur fond de, je ne sais pas, le clientélisme et tout. Ça arrivait que des gens qui sont quand même qualifiés pour aller corriger un examen ne se retrouvent pas sur la liste de correction. Et ça frustre beaucoup. D'accord. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Vous avez quelque chose à ajouter, André? Ben, courage. La petite dernière. Non. Il ne veut pas répondre à la question. Une doléance. Il y a quelques doléances, oui, quelques doléances à formuler. Au vu de tout ce que nous venons de dire, je voudrais, à l'endroit de nos autorités, formuler les doléances ci-après. En tant que porte-parole du collectif national des aspirants du Bénin, je voudrais quand même demander aux autorités de bien vouloir intégrer ou réintégrer, je vais dire, parce qu'il y a des collègues qui attendent encore d'être... Ils sont nombreux? Ils ne sont pas peu. Ils ne sont pas peu. Mais c'est déjà en cours, la base de données a été réactualisée, mais ce n'est pas encore totalement fait. Il y a certains collègues qui n'ont pas encore retrouvé leur nom. Et l'autorité, déjà, le 2 juillet dernier, le DAC nous a invités sur l'ordre du ministre. On y est allé et on a échangé pour lui prouver, montrer que la base a été effectivement réactualisée. Et nous lui avons effectivement notifié qu'il y a des collègues qui n'ont pas encore fait l'objet de réintégration. Et à cet effet, il a demandé à ce que nous puissions aller recenser tous ces collègues-là pour qu'ils soient réintégrés. Vous l'avez déjà fait. Oui, les listes ont été déjà établies. Nous sommes en train de faire les compilations et d'ici vendredi, on va transmettre la liste à l'autorité. L'autre doléance, c'est la reconduction. La reconduction de tous ceux qui ont travaillé cette année. D'accord, parce qu'il y a un test qui a été organisé récemment pour compléter à la base qui est déjà là. Parce qu'il y a encore le déficit. Il n'y a pas une tacite de reconduction du contrat? Il n'y a pas une tacite de reconduction du contrat pour l'instant. Mais ceux qui ont travaillé sur le terrain n'étaient pas le nombre, ne faisaient pas le nombre qu'il fallait. Donc, ils sont. Il y a encore, d'accord, un effectif à compléter pour que. Il n'y ait pas manque sur le terrain. Un bon maillage. Vous voyez? D'accord. Donc, il faut qu'on reconduise ceux qui ont travaillé sur le terrain, d'accord, avant de penser à ceux qui ont passé nouvellement le test de recrutement pour l'aspirana. L'autre chose, je voudrais demander à ce qu'on prenne en compte, et ça a été quelque peu frustrant, mais ce n'est pas je vois que ce n'est pas de la volonté des autorités, il y avait dans certaines matières du surnombre, les matières telles que l'histoire, géographie, l'anglais, le français, l'histoire, géographie, l'anglais, les SVT par exemple,
l'expérience, il y avait trop de monde. Où ils ont déployé les matières là, dans les matières là, les aspirants, et il en restait encore. Il en restait encore d'autres qui n'ont pas trouvé de, qui sont restés à la maison toute l'année. Donc, nous souhaiterions que les autorités pensent à ceux-là, hein, les déploient l'année prochaine avant de recruter d'autres aspirants. L'autre chose, nous voudrions que l'année prochaine, l'ANAPES, par rapport au programme de l'ANAPES, nous puissions être payés 12 mois sur 12. Parce que ce n'est pas bien qu'un enseignant finisse une année et chôme et galère. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois encore. Et il commence sans rien du tout. En tout cas, pour l'autre doléance, je veux parler des primes de rentrée. Voilà, parce que pour commencer la rentrée, il faut que nous puissions avoir quelque chose sous la main pour démarrer la rentrée. D'accord. Voilà. La dernière doléance que je formule, Monsieur Christian, c'est que les autorités, nos autorités pensent à convertir les aspirants, reconvertir les aspirants ou carrément organiser un concours pour que les aspirants soient agents de l'État. Pourquoi pas? Parce que ça frise de l'exploitation, ce n'est pas bien. Il faut que les autorités, nos autorités, qu'on vous offre une autre opportunité. Une opportunité, d'exercer en toute quiétude. D'accord. Voilà. Doléance entendue, je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous, Piero Akodiano, porte-parole du collectif national des aspirants du Bénin. Mesdames et messieurs, nous allons observer la pause pub. Je vous reviens juste après dans la chronique environnement. De nouveaux commerçants pour changer votre quotidien. Jusqu'au 10 août 2020, les agences de référence en électroménager Max 15 vous ouvrent leurs portes avec une promo de ouf, les prix mini des vacances. Des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 40% sur toutes nos gammes électroménagers et téléphoniques. Téléviseurs, home cinéma, climatiseurs, machines à laver, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs de marque Samsung, Nokia, Nasco, Sony, Electa et bien d'autres. Découvrez les offres disponibles dans nos points de vente situés à Cotonou, Calavi et Porto Novo. Nos équipes seront heureuses de vous accueillir. Des produits garantis jusqu'à 12 mois à l'achat. Service après-vente et livraison assurée. Info 94 01 97 08 64 89 32 41 64 67 61 73. Voilà, dans 3 petites minutes, il sonnera 8h40, ici même dans ce studio, François Médecin de Canal 3 Bénin. Nous sommes jeudi, on a rendez-vous avec Fulbert Adjumé-Rossou dans la rubrique Environnement. Et ce matin, eh bien, il nous embarque pour à Gonvès, c'est dans la commune de Zanyalado, sur une île entre agriculture et pêche. Le quotidien des plus de 2000 habitants sur cette île révèle un attachement profond à la nature qui les entoure. Le magazine, c'est un peu plus de 6 minutes. C'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'un écosystème assez particulier. Il s'agit de l'île Azilidi d'Agonvè, dans la commune de Zanyalado. C'est un milieu assez naturel où on ne pratique pas la pêche avec n'importe quel moyen, bien sûr, de pêche. On développe beaucoup d'aptitudes pour pouvoir porter la ressource. On ne pêche pas au cours de l'année, pendant une certaine période donnée, pendant 6 mois. Ici, des pratiques sont bien établies pour éviter que des pêcheurs ne détruisent la ressource. Il y a une symbiose entre la biodiversité et la vie. Allons à la découverte. À plus de 150 km de Cotonou, dans la commune de Zanyalado, se trouve ici, à perte de vue, un écosystème hors pair. En pirogue, la promenade sur le lac Azilili, large de 200 hectares, est plus excitante et mémorable. C'est le lac Azili. C'est un don de génie. Donc, c'est dans la commune de Zanyalado
et dans le Péréco et dans le village d'Agonvé. C'est pourquoi on dit Agonvé à Zilidi. Et sur l'île, vous avez une école, vous avez une église, vous avez deux ou trois forages et ils sont structurés. Et comme en tout écosystème de cette nature, vous avez des oiseaux aquatiques qu'on ne retrouve que dans l'environnement. Selon la légende, ce plan d'eau est le don d'un lépreux au village pour l'hospitalité à lui offerte alors qu'il a parcouru plusieurs localités avant sans être accueilli. C'est une personne qui allait de village en village, mais l'accueil qu'on lui a réservé à Gombe, cet accueil est différent de celui qu'on lui offrait dans les autres contrées. Alors, en disant au revoir aux habitants d'Agombe, le lendemain, on a trouvé qu'il y a de l'eau quelque part et sur cette eau-là, commencé par s'agrandir et pratiquement s'entourer le village. C'est comme ça que l'île-là est installée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'un écosystème assez particulier. Il s'agit de l'île Azilidi d'Agonvé, dans la commune de Zendianado. C'est un milieu assez naturel où on ne pratique pas la pêche avec n'importe quel moyen, bien sûr, de pêche. On développe beaucoup d'aptitudes pour pouvoir porter la ressource. On ne pêche pas au cours de l'année pendant une certaine période donnée, pendant 6 mois. Ici, des pratiques sont bien établies pour éviter que des pêcheurs ne détruisent la ressource. Il y a une symbiose entre la biodiversité et la vie. Allons à la découverte. À plus de 150 km de Cotonou, dans la commune de Zanyanado, se trouve ici, à perte de vue, un écosystème hors pair. En pirogue, la promenade sur le lac Azlili, large de 200 hectares, est plus excitante et mémorable. C'est le lac Azlili. C'est un don de génie. Donc c'est dans la commune de Zanyanado et dans le Péréco et dans le village d'Agonvé. C'est pourquoi on dit Agonvé à Zilidi. Et sur l'île, vous avez une école, vous avez une église, vous avez deux ou trois forages et ils sont structurés. Et comme en tout écosystème de cette nature, vous avez des oiseaux aquatiques qu'on ne retrouve que dans l'environnement. Selon la légende, ce plan d'eau est le don d'un lépreux au village pour l'hospitalité à lui offerte alors qu'il a parcouru plusieurs localités avant sans être accueilli. C'est une personne qui allait de village en village, mais l'accueil qu'on lui a réservé à Gombe, cet accueil est différent de celui qu'on lui offrait dans les autres contrées. Alors, en disant au revoir aux habitants d'Agombe, le lendemain, on a trouvé qu'il y a de l'eau quelque part et sur cette eau-là, a commencé par s'agrandir et pratiquement s'entourer le village. C'est comme ça que l'île-là est installée. Le lac est donc un don de génie. Et les plus de 2000 habitants, en majorité des pêcheurs qui vivent sur l'île d'Agonvé, lui vouent un respect profond au point de se fixer des règles strictes pour conserver cette ressource du prolongement de la vallée de l'Ouémé. Mi wogbowa tomeo no mina besin fi wogbodo utumewe eno wa tomi tomi. Pendant la crue, à partir du mois d'août, nous fermons le lac aux activités de pêche. L'interdiction dure 6 mois. Dans le 7e mois, c'est-à-dire en janvier de l'année qui suit, nous ouvrons à nouveau. Cette mesure vise le repeuplement des poissons dans le cours d'eau. Elle nous permet de pêcher de gros poissons parce qu'avec la fermeture du lac pour un temps, les alevins ont donc le temps de se développer sans être perturbés. Ce sont nos ancêtres qui ont pris cette initiative et nous la perpétuons de génération en génération. Il y a des contrôles dessus. Et les nuits, on envoie les membres du comité de pêche sur le pour le contrôle. Maintenant, s'il attrape quelqu'un, veux ou pas, tu paies 100 000 francs. Avant, c'était 60 000. Maintenant, ce n'est pas l'argent que nous cherchons. Il faut que les gens n'aillent pas. Le caractère sacré du lac soumet ainsi son exploitation à des interdits, notamment
la proscription de certaines techniques de pêche, l'utilisation de filets éperviers et des acadias. Le panthéon vaudou de l'île assure le respect de cet ensemble d'interdits. Nos filets ont la taille de 3 doigts mis ensemble. Ainsi, les poissons pêchés sont vraiment gros pour nous procurer une bonne alimentation. Ces modes de vie témoignent de la conscience de ces pêcheurs à gérer durablement les ressources qu'ils exploitent et dont ils dépendent pour leur survie. L'approche de gestion intégrée des ressources en eau est en train d'être développée. C'est-à-dire que vous allez constater qu'autour de cette ressource eau, il y a des pêcheurs. Ils sont près de 1000 à travailler sur l'eau. Autour de cette eau, il y a des maraîchers qui font le maraîchage. Et au même moment, les femmes du village utilisent la même eau. Donc, c'est parce qu'ils s'entendent pour pouvoir créer un climat de paix autour de cette ressource que cette convivialité règne au sein de la population. Et quand on sait que les plans d'eau, dans leur majorité, sont menacés par les pratiques de pêche au Bénin, l'île d'Agonvé devient un modèle à implémenter pour créer la synergie entre systèmes coutumiers et modernes. Pour la survie de la population et des ressources du village, il faut un certain nombre d'organisations. Et cette organisation doit permettre aux hommes et aux animaux, aux poissons, de se retrouver dans une aisance qui ne dit pas son nom. C'est une expérience qui marche correctement ici à Agonvé et je crois qu'il faut développer cela un peu partout où nous avons aussi des plans d'eau de ce genre. Sur le lac Nokwe, c'est un peu compliqué parce que le lac Nokwe fait 150 km² de superficie. Le lac Nokwe est habité permanemment par une population, la population de Ganvier, alors que ici, vous constatez que la population de Agonvé n'habite pas sur le lac. Au contraire, il protège le lac par des interdits, par des pratiques. Et comme ils ont témoigné, ils pêchent que de gros poissons, donc ils n'utilisent pas des acadias. En plus de l'histoire fascinante de cette communauté, la singularité des pratiques de pêche, le paysage formé par le lac autour d'Agonvé est accrocheur. Entre les forêts sacrées, le spectacle des enfants dans l'eau, le reniflement des hippopotames et les étendues de rafial, l'île est un régal pour les amoureux de la nature. Il y a la stantanga comme espèce animale. Il y a aussi le caïman. L'hippopotame, c'est pendant la crue. C'est pendant la crue que nous avons l'hippopotame. Donc, il y a ces espèces-là. Il y a le bois aussi. L'île d'Agonvé, c'est une merveille de biodiversité, de culture, emballée dans un sentiment enivrant de mystère et de profusion. Un cadre d'exception qui mérite une attention dans la durée. Voilà, c'était le magazine du jour avec Fulbert Dimerosso qui nous a fait voyager sur l'île d'Agonvé. C'est dans la commune de Zanyanodo. Je vous invite, si vous avez le temps, à y faire un tour. Il fait bon vivre là-bas. Maintenant, nous allons boucler notre randonnée de ce jour. Dans un instant, la revue de presse, lecture des journaux, décryptage, présentation de cette revue. Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. La fête de l'indépendance se déroulera cette année sans tambour ni trompette. Ainsi en a décidé le gouvernement à cause de l'urgence sanitaire liée à la COVID-19. Fête de l'indépendance, pas de défilé, sobriété totale, affiche à manchette le quotidien Fraternité. La fête aura lieu dans le silence des fanfares pour éviter la propagation du coronavirus, détaille la publication pour laquelle les Béninois sont appelés à se rappeler l'affranchissement de la tutelle coloniale dans la sobriété absolue. C'est une privation pour une première fois, constate Fraternité. Malgré le douloureux souvenir des batailles que peut rappeler ce jour, les Béninois ne s'en privaient jamais, relève le canard de Ménotin.
Ils se parent souvent fièrement des couleurs nationales pour s'égayer ensemble. Mais il n'en sera rien cette année, bien que le 1er août soit un jour de week-end, un samedi. Néanmoins, informe mon confrère, le chef de l'État va saluer la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie pour l'avènement de la liberté. Et ceci à travers la cérémonie de dépôt de gerbes. À Fraternité de conclure que le coronavirus a contraint le Bénin au sacrifice d'une fondamentale tradition. Le même sujet fait la 2 de une du quotidien Le Matinal. Célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, écrit le journal. La fête nationale aux couleurs de la Covid-19. Pas de défilé militaire et autres réjouissances. Mais il y aura dépôt de gerbes et revue des troupes symboliques, note mon confrère pour qui priorité est au symbolisme. Pour la nation, la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin est inédite. Tenant compte de la nécessité de concilier la commémoration de cet événement important avec la sécurité sanitaire des populations, le Conseil des ministres a décidé qu'elle se tiendra dans la sobriété absolue, écrit le quotidien du service public, qui rapporte les propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Rounla. Le quotidien Matin Libre aussi s'invite autour du sujet. Covid-19, 60 ans d'indépendance. Le président de la République tient à son dernier 1er août, commente le journal. Et par rapport à cette décision de célébration dans la sobriété, mon confrère écrit que le gouvernement a tiré le son des élections communales. Et la crise sanitaire mondiale fait mobiliser les premières dames aussi. Le quotidien La Nation nous apprend que les premières dames de la Chine et d'Afrique s'activent pour la riposte contre la Covid-19. La Covid-19 toujours est encore une victime collatérale. Fraternité nous apprend qu'un Béninois a été tué par un militaire togolais à Gouégan, à la frontière entre le Togo et le Bénin. Selon le journal, il s'agit d'un présumé passeur qui, malgré la décision du gouvernement togolais de fermer les frontières du pays, aurait tenté de faire passer une dizaine de personnes vers Lomé. Et même interpellé, l'individu qui serait un repris de justice aurait défié les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu. Du coup, il a été atteint mortellement et son corps a été remis aux familles pour inhumation, précise le Canard de Ménantin. D'une triste nouvelle à une autre, les publications nous apprennent ce matin que la Côte d'Ivoire est en deuil. Le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est décédé hier mercredi, informent les journaux. Côte d'Ivoire, écrit Fraternité en bas de une, le premier ministre Gon Coulibaly meurt des suites d'un malaise. Il a rendu l'âme en début d'après-midi d'hier, après avoir pris part au Conseil des ministres, peut-on lire, dans un communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, publié par les journaux ce matin. Chef du gouvernement et candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Amadou Gon Coulibaly était revenu de la France jeudi dernier, après 2 mois d'hospitalisation pour des problèmes cardiaques, ajoutent mes confrères. Les quotidiens La Nation et Fraternité dressent dans leur colonne le portrait de ce natif de Korogo, ville située au nord de la Côte d'Ivoire et dont sa famille est fondatrice. Le 12 mars dernier, il a été désigné candidat du Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie, RHDP, à la prochaine élection présidentielle, insistent mes confrères. Marié et père de 5 enfants, Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des nouvelles plus gaies maintenant avec le Bénin dont le coton affiche une belle santé. À en croire le matinal, le Bénin conserve sa place de premier producteur de l'or blanc en Afrique. Une place que le pays doit à sa performance. Et selon la publication, la campagne cotonnière écoulée s'est soldée par au moins 714 714 tonnes produites. Des chiffres que mon confrère tient de l'intervention du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, lors du dernier conclave gouvernemental. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain.
votre programme matinal de retour demain vendredi à partir de 7h avec le débat sur un fait de société qu'elle nous présentera. Zakiat Latunji qui sera avec nous en plateau pour le débat. Vous aurez votre zapping, notre invité pour répondre aux 5 questions oui ou non. Vous aurez également en présence plateau un artiste que nous allons recevoir pour nous parler un peu de son art. Les caricatures de la semaine avec l'enfant Claudio et puis la revue de presse de Narcisse Losset. Ce sera donc demain, vendredi, sur Actu Matin. Le programme de ce matin s'est terminé. Les autres rendez-vous de l'information sur Canal 3 sont à prendre tout à l'heure quand il sonnera 13h et 19h30. Nous vous revenons demain matin à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire.